Yes! Allez, bonjour YouTube, pour le résumé d'ailleurs. C'est le premier match contre Östersunds. À nous de le gagner. On fait tourner parce qu'on a le match de Reconf après. Ceux qui regardent la VOD, vous savez pourquoi on fait tourner, évidemment. On a le match d'Europe. Après, on a un match retour d'Europe. Je ne spoil pas le résultat du match aller. Sachez juste que quoi qu'il advienne, il faut qu'on gagne. On n'a pas le droit de perdre le match, quoi, si on veut se qualifier pour la finale. Donc voilà. Oh, presque but direct, disons. C'est pas mal ça. Tête, ok. Bakaria, oui, c'est bien vu. Josephson tout seul. Bam! Oh, oh, oh le but! Et le but de Josephson, 1-0. 2 minutes de jeu, même pas. Quel but! Un Vakari qui se fait limite chipper le ballon. Et là, Josephson, ah, je suis tout seul. Bah, avec la barre. Et but, 1-0. 1-0 par Josephson. Mais c'est très bien tout ça, c'est très bien. C'est bien, la rotation fait le taf. Ça fait le taf. On est à l'extérieur, on met un but, c'est bien. Alors, il comptera pas double parce que c'est pas l'Europe, mais il comptera au moins pour quelque chose à la fin de la saison, potentiellement. Bam! Oh, dommage. Mets la tête la prochaine fois, tu pourras le mettre, celui-là. Si tu mets la tête, tu pourras le mettre au fond, celui-là. Dans le gardien. Ah, on connaît pas les coups. On sait pas que tirer les coups, les corners, pardon. C'est pas tirer les corners. C'est un problème qui est réglé sur le 24 maintenant. C'est-à-dire que là, je peux pas mettre. Je peux pas les faire tirer, les faire travailler les corners correctement parce que ça prend des spots sur les trucs d'entraînement. Mais maintenant, non. Sur le 24, il n'y a plus ça. Tu peux faire travailler les routines carrément. Donc, ouais, et puis faire des bonnes routines, faire en sorte que de temps en temps il tire court, de temps en temps il tire long, de temps en temps il tire au premier, de temps en temps il tire au second, de temps en temps il cherche la tête, de temps en temps il tire au sol. Ça va être bien mieux. Déjà. Alors, oui, si vous travaillez plusieurs routines, ça prendra plus de temps à être dessus, mais ça peut surprendre les adversaires lors d'un match. Donc, toujours. Toujours intéressant. Vas-y, Vaca, vas-y. Oh là là, là-bas. Là-bas, c'est écarté, là-bas. Aïe, 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 aïe. On prend le but qu'il faut pas. Eh oui. Alors, on va me dire, on n'est pas mené à zéro, mais vaut mieux. Vaut mieux se mettre en offensif de. Par précaution, parce que. Voilà, on va prendre un autre but là-dessus. D'habitude, ouais, ok. Les coups francs défensifs, on n'y arrive pas non plus. On sait pas. Putain, mais pourquoi on se fait écrabouiller là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oui, si Manichu Sali il est pas hors jeu. Oui, oui. Voilà. 2-1. 2-1. Je vais redescendre un petit peu là. On ne sait jamais. Je vais pas les mettre en offensif tout le temps. Hein. Allez, laissez tranquille en plus, en positif. Mais on va surveiller le match parce que ça picote un petit peu là de prendre des buts gratuits comme ça. Des fois. On est où d'ailleurs sur les matchs en Suède? Qui mène Malmö, ouais. Göteborg, ouais. Norrköping, ouais. Il y a zéro surprise. Hein. Toujours les mêmes qui mènent. Et quasiment tous les matchs des gros, ils sont à un but d'écart. Il n'y a que Göteborg qui a 2-0.
Ok, let's go. Et la deuxième, on prend pas de but, hein, les gars. Il suffit de prendre des buts bêtement, là. De 0 pour Malmö, bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas, tant qu'on gagne, nous, ça me va. Ah non, hein, pas d'égalisation, ça suffit maintenant. Dans ton tacos, là. Allez. Allez, sortez de là, pressing, là. Allez. Voilà, bien. Tempo, 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 pars pas devant comme ça. Il va vouloir y aller tout seul, péno. Bon, ça va. Heureusement qu'il gagne le pénalty là-dessus. Carton? Non, pas carton. Qui c'est qui tire? Vacaria. Mets-le celui-là. Fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu attends là? L'arbitre a sifflé. Ah mais non, t'attends que l'arbitre soit à sa place. Ok. Boop! C'est quoi ce penalty? Ah non, mais moi je le fais plus tirer là. Oh! C'est quoi ça? D'ailleurs, pourquoi il tirait le péno là? Ah, parce que Dunn. Qui c'est qui est bon en péno là? C'est lui qui est censé être bon en péno, eh ben. Oh, il tire plus. Oh, il tire plus les pénaltys, ça suffit. T'as vu comment il me l'a bouchard le pénalty là-dessus? Attends, t'es fou toi? Ah ben Zdravko, il va lâcher quoi, le pauvre force. J'ai personne à mettre à droite. Je peux mettre Miller à droite à la limite à la fin du match et puis faire rentrer Dunn. Pourquoi pas, ça fera un meilleur tireur de penalty s'il y a un autre péno. Ah ouais, mais Vacaria va prendre sa claque. Hein. D'ailleurs, je vais le sortir tout de suite. Il évitera des problèmes. Ah, t'as vu quand il me tue le penalty là. On a un péno sympa pour prendre 3, pour mettre 3-0 et lui il me le fout complètement à la ramasse quoi. Non, c'est quoi ça? Alors j'enlève un peu Maillard. Le problème c'est que Maillard. Attends, j'ai une idée. Simanich down. Maillard, Johansson. Voilà, ça en fait jouer un peu de jeune en championnat au moins. Même s'il joue 15 minutes pile poil et qu'il a peut-être pas le temps de choper une note, c'est pas grave. Il joue un peu en championnat et. Voilà. Ah ouais, mais là, il va prendre son amende, Vacaria. Non, je déconne. De toute façon, je peux pas l'amender parce qu'il a fait un bon match quand même. À côté de ça, mais. C'est vrai que là, pour le coup, il mériterait de prendre 3 semaines de salaire. Attends, rater un penalty autant que ça? Alors que t'es le meilleur tireur de penalty de l'équipe, quasiment. Ça la fout mal quand même, hein. D'ailleurs, tes collègues à côté qui sont moins bons en pénalty, ils arrivent à les mettre dedans. Larsen, quand tu le mets en face du gardien, il le met dedans la plupart du temps. Bon, il le cadre au moins, mais. Oui, bien! Au moins, c'est cadré, quoi. Vacaria, il m'a mis 20 mètres à côté, quoi. Oui! But! Ah, dommage. Encore. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Aïe, tic, tic, tic. Bien. Ah ouais, mais là, le penalty, là, j'ai envie de lui mettre trois paires de claques à Vacaria. C'est impossible. Enfin, tu tires pas autant à côté que ça, quoi, quand même. Que tu tires à côté ou sur le poteau, je comprends, mais pas autant que ça, quoi, quand même. Là, il m'a visé le spectateur qui était derrière dans les tribunes. Qu'est-ce qu'il a foutu sur le penalty? Oui, c'est bien ça. Perdez pas le ballon, les gars, c'est pas le moment. Oui. Oui. Oui, ça marche, oui. Ah, il va être trop court. Non, il l'a récupéré. But. But de Maillard. Eh ben. Ah, il avait suivi. J'avais dit qu'il était trop court. En fait, le défenseur est tellement nul en face. J'ai l'impression que. Bah, il est pas nul, nul, mais. Il est tellement débile, le défenseur, que sur la passe trop longue, là. Tu vois, il est là. Ouais, j'ai le ballon. Nope. Il a mal contrôlé le ballon. Ça, il aurait dû. En fait, il aurait dû laisser sortir le ballon parce que le ballon il sortait. Il laisse sortir le ballon, il n'y a pas but. Mais là, il laisse filer le ballon, il n'y a pas but. Mais ouais, le défenseur m'a fait une passe D, donc du coup Maillard il met un but.
Ah bah bravo Maillard, bah voilà, c'est bien. Alors prendre le but, c'est chiant, mais... C'est bien, c'est bien. C'est mieux que rien, déjà. Allez, zéro spoil pour l'Europe. On retrouve Malmö encore une fois. Zéro spoil pour l'Europe. Hein. Si vous regardez pas la VOD, bah, vous attendrez que le résumé soit disponible. Pour ceux qui ont déjà regardé le résumé qui est sur la chaîne, je vais l'enlever. Parce que c'est pas les bons, évidemment. J'avais pas prévu qu'on soit reversé en Euroconf. Sinon, j'aurais attendu. Mais oui, on a fait des bons matchs contre Malmö. Je spoil pas, je spoil pas. On a fait des bons matchs. Vous verrez lors du résumé ou si vous regardez la VOD. Pour ceux qui regardent uniquement les résumés, je vous invite à regarder la VOD parce que c'est très important. Il y a des trucs qui se passent au milieu. Mais oui, voilà, on a fait deux très beaux matchs en Europe contre Malmö. On retrouve Malmö en championnat encore une fois. On remet la même équipe qu'on avait tout à l'heure. Eux, ils ont fait tourner un petit peu. Ouais, tu vois, ils avaient Samba là, ils avaient Aronson devant. Je suis en train de chercher s'ils ont fait tourner ailleurs. Ouais, ils ont fait tourner un des défenseurs, je crois. Au moins un des deux défenseurs, voire même les deux. Je crois qu'Aglou n'était pas sur le terrain non plus. Donc eux ils ont fait tourner un peu, nous pas du tout, parce que on a besoin. Je veux un gros match les gars. Et ouais, faisons le gros match qu'on doit faire et puis arrêtons de se cacher, let's go. Et puis voilà, clic. Alors, tout ce que je peux vous dire déjà sur le match d'Europe, c'est que ça s'est pas réglé au pénalty pour une fois. Voilà. La frappe de loin. Ok. Le coup franc de très très loin. Le mec il s'est pas posé la question. Je vais frapper. Bam. Ok. Si tu veux. Pas de souci, mais bon. Oui. Ah, on va peut-être avoir quelques petits soucis, oui, ça c'est sûr. Ah, les soucis de fraîcheur un peu, bah oui, forcément, on est un peu fatigué. Bon, ça va venir. Hein. Ça sera pas grave, hein, c'est pas. Oui, non, oui, défenseur, vas-y. T'as le droit. Hein. Voilà. C'est bien. Encore. Hein, j'aime pas trop quand ça dégage comme ça. J'aime pas ça du tout. D'ailleurs. C'est bon. On va essayer. Oui, Blaya, bien. Oui, c'est bien trouvé ça. Bam. Aïe, c'est moi. Il a mangé l'occasion, Larson. L'occasion. Aïe. Bon, au moins ça cadre. Mais c'est cadrer ses frappes, c'est pas le seul truc qu'il faut qu'on fasse sur le match. Ça met qu'on gagne le match. Honnêtement. Mais ouais. Hein. Alors, je peux pas leur demander de trop non plus. Tu vois, ils sont un peu cramés. Quoi qu'ils sont un peu, ils sont beaucoup cramés en face, hein, quand même. On a l'air d'être créatif. Kostic, corner. C'est comme ça qu'on ouvre le score. Et on rouvre le score encore une fois de la même manière. Comme le match d'Europe tout à l'heure. Non, j'ai pas spoil. J'ai dit qu'on avait ouvert le score. J'ai pas dit qu'on avait gagné le match. Ni qu'on l'avait perdu. Ni qu'on a fait un nul. J'ai juste dit qu'on n'avait pas fait les pénaltys. Donc voilà. Ça s'est réglé sur les 120 minutes qu'il y avait. Au total. S'il y a eu les prolongations. Faut peut-être deviner, vu que j'ai dit que j'avais pas fait tourner, que vous voyez que mes joueurs sont à peu près frais et que les leurs sont. Ouais. Eh. Mais ils sont pas aussi cramés qu'il faudrait pour les 120 minutes. Mais bon. Techniquement, voilà, on n'est pas. On n'a pas non plus. Voilà, quoi qu'il se soit passé sur le match d'Europe, on n'a pas démérité non plus. Et voilà quoi. Est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu? Bah vous le saurez en attendant le résumé de l'Europe ou éventuellement en allant regarder la VOD. Voilà. Là, vous le saurez. En tout cas, on a fait deux bons matchs, ça c'est sûr. Larsen, applique. Tu vois bien qu'il y a quelqu'un devant toi.
Je sais pas, il doit avoir des œillères tellement grandes qu'il doit pas voir ce qui se passe devant lui. Pour ça qu'il fait toujours des conneries, Martin, mais. Oui, bon. Oui, oh là là. Allez, boum. Bam. But. 1, 2, 0. Il n'y a pas à se poser de questions là-dessus. Il y a 2-0. Voilà. On pourrait commencer à ralentir un peu. Allez, on va ralentir un peu la vitesse de jeu. Ralentir le rythme. Tac, tac. Ralentir le rythme en transition. Voilà. Allez, hop. On va commencer à reposer un peu. Parce que même si on est à 80, qu'on a bien fait reposer, on n'a pas vraiment besoin de courir après le score. On gagne le match. Donc... pas besoin de faire grand-chose de plus. Pourquoi faire rentrer pas. Je vais faire rentrer Maillard assez tôt dans le match, qu'il ait quand même pas mal de temps de jeu. Zdravko, je peux pas vraiment le remplacer. Ah si, c'est vrai que Lulinet est de retour. Ouais, et on va le sortir aussi parce qu'il joue, il a joué tous les matchs jusqu'à maintenant. J'ai personne à gauche par contre, malheureusement. On voit que Brandon finisse le match. Mais... on va faire ces deux changements là et puis on va attendre un peu. Dans une dizaine de minutes, voir ce qu'on a besoin de faire. Bah, qui sort, bon, il faisait pas grand chose devant. On voyait pas beaucoup, bah écoute, voilà. On a vu Larsen deux fois, deux buts. Bon, bah écoute, parfait quoi. Que je dise. Et ouais. Selnaes a remplacé Brandon, bah je peux pas le remplacer, mais Selnaes a remplacé, oui, pourquoi pas, tu peux faire jouer un petit Vaccaria. Vaccaria qui nous a loupé le penalty tout à l'heure, évidemment. Mais c'est un bon match. C'est un bon match et honnêtement, voilà quoi. On les a tenus d'un bout à l'autre. Allez, allez. Hop, hop, hop. Oh là là, mais pourquoi t'attends le ballon, Vaccaria? Vas-y dessus. Oh là là. Mais pourquoi il a regardé le joueur adverse? Oui, j'ai regardé le ballon. Et t'es frais, mec. Cours après le ballon. Tu vois bien que t'as une passe qui t'arrive dessus. Vas-y dessus. Va le chercher, ce ballon. Oh, ça va. 2-0, c'est bon. Même 2-1, ça ira très bien. 2-0, je préfère, mais bon, 2-1, ça, je signe tout de suite. Hein. 3-0 aussi, hein. Bon, bah, carrière. Bon, bah, voilà. Gagné, c'est gagné. Qu'est-ce que je te dise de plus? On a gagné le match, c'est déjà ça, 2-0. Peut faire mieux, mais peut faire pire. C'est bien, très belle victoire. Ça aurait pu être bien pire. Hein. Allez, match contre Rebro, on a fait tourner. On en a fini avec Malmö, ça y est. Donc on est bon. Homme. Ok, faites un gros match, les gars. Il y a une série à garder pour l'instant. On n'a pas perdu. Donc on continue comme ça. Clic, la clic, la clic. Hop là, voilà. Hop là, let's go. God damn it. Ok. Parap, 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 parap. Ça y est, créatif, paf, un jaune. Ouais. Ah, pas de frappe encore, hein. On n'a pas encore fait de frappe. Parfait. De frappe. On a eu du mal hein, quand même. Hein. On a eu un poil beaucoup de mal. Ah. Oh, au Victor. Vaccaria. Lulinha. Allez, hop. Vianesson. Vaccaria. Oh, la frappe. Et la première action qu'on voit, c'est le but. 1-0. 32e minute. Un but. Ouais, un but quoi.
But sur une frappe de loin. Bam, sans contrôle. Placé là où il faut. But 1-0. But de Vaccaria. Tête. Ah, c'est dégagé, maintenant il faut mettre la pression là. Faut récupérer. Allez, récupère. Oui, bien vu. Allez, contre-attaque. Oui, le dribble. Hop, deux. Non, fallait faire une passe. Fallait tenter une passe, hein, mec. Hein. Fallait faire quelque chose. Moulinia perd pas le ballon. Merci. Miller écarte. Voilà. Voilà, tranquillement. Il n'y a pas besoin de paniquer. Simanic, t'es pas en jeu, j'espère. Non. Oui, oui. Oui. Oh là là. Oh, oh le doublé. Aïe, aïe, aïe. Ah, quand tu marques deux buts en deux minutes et que les deux buts sont plus... Je sais pas, il cherche à se one-up tout seul, le gars. Il marque le premier but est super joli, et là, il est pas sur son bon pied. Bam! Il le met complètement à l'opposé du gardien. Doublé en deux minutes. Ouais, bah, pour quelqu'un qui est pas censé marquer des buts. Badaboum, quoi. 2-0. Eh oui. Badaboum, 2-0. Paf. Fait des chocs à pic. Mais c'est bien ça, c'est très bien. Bon, faut se calmer par contre, ceux qui ont les cartons. Ne pas se relever. Ne levez pas le pied. Sandrinho, dodo, s'il te plaît. Deuxième jaune. Ça fait un petit moment que tu l'as pris. Et Vaccaria, t'as l'habitude de prendre des jaunes comme ça. Tranquille. Le reste, j'ai rien d'autre à vous dire. Mais bon. Juste ne pas se relâcher, c'est cool. Mmh. But de Simanic hors jeu, apparemment. Bon, n'a rien dit. Bon, il est hors jeu sur la tête. Okay. Il est hors jeu sur la remise. J'ai essayé de les faire jouer en 90 là, la rotation. Ils n'ont pas joué juste avant. Et les faire jouer 90. Bon, certains vont sortir, hein, par contre, les cartons jaunes. On va les garder sur le terrain. J'ai essayé de faire jouer le reste 90. Oui, oui, Lulinha, oui, c'est bien trouvé. Vous pouvez revenir en arrière si tu veux. On revient vers le gardien. Boring. Ok. Oui, oui. Perds pas le ballon. Voilà. Fais tourner. Putain, mais fais tourner ton ballon, toi. Ah, c'est pas possible, ça aussi. Ah, le mec, il a 50 ans pour faire une passe, il perd le ballon. Qu'est-ce que tu fous? Bordel. Pas compliqué de faire une passe, non? Qui c'est qui est blessé? Sandrinho? Bon, de toute façon, il va sortir. Enfin, si j'ai quelqu'un à gauche, oui. Bon, non. Milieu de terrain, Vaccaria, tu sors. Un jaune, tu sors. Hop là. Mais devant, bon, ça peut suivre 70, on va faire jeu de Brian. En attaquant, c'est je crois. Merci Manu. Oui, c'est très bien ça. Allez, on continue. Loul, ouais. Shikawa, oui, oui. Oui, c'est bien vu. Oui, oui. Très belle incursion, c'est nice tout. Oh, bien contré par le gardien. Quel joli arrêt du gardien. Bam, à côté. Ça s'est pas frappé dans un ballon, mais c'est pas grave. Il rattrape la surface, bam, 25 mètres à côté. Putain, mais sérieux, les gars, quoi, je vous ai dit de vous calmer, après, il arrêtait avec les cartons jaunes, hein. Ouais, Lulinha qui tacle, ouais, papa. C'est nice, c'est pas de conneries. Viens de prendre un jaune, tu fais pas de bêtises, s'il te plaît.
Oui, pressing, oui. Non, pas bon ça, c'est pas bon. Ouais, ce gardien, quoi. Le mec, il s'en sait super bon, et le mec, il prend des buts, mais alors débile, il a le ballon dans les mains, et il se prend le but quand même. Comment tu prends le but là-dessus, Fox? Le mec, il a le ballon dans les mains, comment il fait pour prendre le but? C'est pas possible, quoi, quand même. Direct. T'as raison, prends le temps. Bien vu ça. Hop là. Corner. Ok, ça gagne du temps au moins. Gagne du temps les gars. Prenez le temps, on a 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 le temps. Jouez tranquille. Voilà, c'est bien Loulinia. Gagne 10 secondes de plus. Oui, but. À pas nous le remontrer parce que c'est touché par le défenseur, oui. Peut-être là, il est hors jeu là-dessus. Et encore même pas. Putain. Sérieux, quoi. C'est quoi ça? Encore un arbitrage débile, quoi. Il dit, comment tu veux? Comment il voit le hors jeu? Il est à 25 mètres. Comment il voit le hors jeu de 2,5 cm? Faut m'expliquer, là. C'est pas grave, on gagne. Mais putain, faut m'expliquer là-dessus, parce que là, quand même, ça sort bien aujourd'hui. Il faudra faire mieux la prochaine fois. Allez, match contre Helsing Borgs, on a remis la rotation parce qu'on a un match important après avec l'équipe 1. Donc on y va. Continuez sur la série qu'on est en train de faire, les gars. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, pardon. Contrôle, voilà, c'est bien. Encore. C'est un peu long ça. Pas trop quand ça joue long, mais bon. Rien à dire. Oui. Péno. Oh, Péno. Non, 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 non. Ah, j'ai pas pu. J'ai pas pu, j'ai pas pu, j'ai pas pu. J'ai pas pu changer le joueur. Douda, douda. Mettre Raphaël. Hop là. Boop. Boop. Non, je veux pas Vaccaré, il m'a raté mon pénalty. Il a tellement raté le pénalty tout à l'heure, je veux plus le voir. Voilà, moi, Raphaël, il le met. Tu vois. Putain, c'est pareil. C'est affolant de voir que c'est les défenseurs qui mettent les pénaltys, quand même. C'est fou, quoi. Alors que je fasse travailler tout le monde sur les pénaux. Bah, oui, va falloir. Oui, joli ça. Holo. Ouais, les cartes, c'est très très bien trouvé ça. Ah, comme ça, ça écarte tout. Aïe, Josephson de la tête qui loupe. Il loupe l'occasion du 2-0. C'est dommage. C'est bien dommage, mais ça va revenir. Oui, Polo. Ouais. Simanic. Oui. Vaccarien. Oui, oui, Polo, Simanic. Et 2-0. Et 2-0. Deux petits buts à 0. C'est déjà très très bien. Ouais, tu vois, on a changé de tireur de pénalty, on a mis de pénalty. Ben voilà. Pas plus mal. Mm-hmm.
Il remontera pas, il remontera pas, il remontera pas. Peut-être à la mi-temps, mais il remontera pas. Enfin, arrête de faire des tacles de con aussi. Tu vas te faire mal. Oui, il se fait mal. Bah oui. Arrête de. Tu faisais. Si t'arrêtes de faire tes tacles débiles là, tu te ferais moins mal. Speaking of, il a encore pris un jaune. Bah, il est suspendu, lui, à force. Avec deux matchs de suite, deux cartons jaunes. Eh ben, tiens avec ça, il n'est pas suspendu au bout d'un moment, quand même, il y a un problème. Norkupin qui met 5-0. Eh ben, ça y va, hein. Norco, il met des buts. Hein. Oh, c'est Luis Brandão pour Sandrinho qui est blessé qu'un jaune. Et après, le reste, ça peut rester là. Hein. Bon. Pourquoi ça a mis la pause? Je vais pas demander. Cavalcanti, tête, oui. Encore, oui. Bien, Victor. Et encore. Encore. Oh, reviens. À la limite, c'est pas grave. Voilà. Si Aguirre fait pas sa connerie, c'est bon. Ça passe. Voilà. Bien, faites tourner, faites tourner. Restez pas là, les gars. J'ai dit faites tourner, bordel, bordel de merde. T'as trouvé quelqu'un devant, c'est bien, mais bon, à un moment, quand même, faut arrêter de balancer le ballon devant. Un problème, j'ai pas payé, il peut pas faire de passe. Je balance le ballon devant. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, Sandrinho va sortir. Ça en fait pas, il va sortir, il est pas sorti encore. Oui, Sandrinho, centre. Sandrinho. Ouais, but de Šimanić. But de Šimanić en deux temps, mais but quand même. 3-0. C'est moi, c'était Sandrinho. Ouais. Bah, tout le temps, en fait. Bah, c'est normal, il est sur le côté. Oui, oui, vas-y, change-le. Change-le, il est baisé. T'as rien à le garder sur le terrain. Il faudrait sortir Victor. Oui, mais j'ai pas de milieu def. Voilà, quoi. Au-dessus. Pourquoi ça met toujours la pause? Je vais pas demander de mettre pause quand même. Bon, rien à dire, honnêtement. Allez, le dernier match de la session à Marby.
Gagner, ça serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Une victoire pour continuer sur la série qu'on a en cours. Parlant de la série en cours, on va avoir 3 matchs de suite avec les titulaires, vu qu'on aura l'Europe qui va arriver. Pas pour ce stream, hein, du coup. Mais on a l'Europe qui va arriver et on a Elfsborg au milieu que j'ai pas envie de risquer. On sait très bien que Elfsborg, quand on est en forme, ils arrivent à nous faire des misères. Donc je préférerais arriver contre Elfsborg avec mes titulaires et essayer de leur en mettre 8 que de galérer avec ma rotation. Donc tant pis, on mettra les titulaires puis on n'en parlera pas. Vous jouez trop petit les deux là. Eh ouais. Eh ouais, je vous ai dit que vous jouiez trop petits les deux là. Vous cherchez la merde les deux là depuis tout à l'heure en défense. Eh ouais. Attention. Parce que ça, changez de côté les gars. Eh ouais. Corner. Au-dessus. 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 De la barre. Au-dessus de la barre. Il se passe pas grand-chose dans ce match. Oui, on dort là. C'est l'heure de la sieste, je les ai réveillés. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh les gars! Faites mieux que ça quand même! Oh! Secouez-vous les puces et allez-moi me marquer des buts! Pardon. J'ai dit quelque chose qui veut rien dire en français, mais bon, ben. Allez, les bleus, allez, les bleus, allez, les bleus. Allez, 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 les bleus. Si, si, c'est allez, les bleus, on joue en bleu, hein, les gars. Tête et but! Alderson, 60e minute. 1-0 sur corner. Corner. Parapapap, parapap, 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 parapap. Blaya pas concerné, il sort. Victor fatigué, on va le sortir. Il faut qu'il tienne tous les matchs là pour l'instant. Zdravko, ouais, si aussi, allez, 76. Quoi que 76, je peux tenir. On peut tenir le match, on peut tenir la fin du match, sauf que je pense. On va remplacer sur le prochain match, mais. Au cours de match, mais ça passe, ça devrait passer. Pas besoin, il vient de sortir. Oui, ça dégage, mais faut aller chercher le ballon là. Allez, hop, hop, hop. Récupère, récupère, récupère. Voilà. Non, tacle pas, tu l'avais le ballon. Qu'est-ce que t'as branlé, merde. Putain, le mec, il a le ballon. Les pieds, il tacle le ballon. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment l'heure de la sieste, j'ai l'impression, hein, sur le match là. Hein. Le mec, il s'est carrément allongé par terre. Alors qu'il avait le ballon. Oui, par-dessus, c'est bien aussi, ça marche.
J'aime pas trop les passes longues, mais bon, ça marche. Oui, ah, dommage. Maillard un petit peu juste. Un petit peu juste. Tout petit peu juste, oui. Et c'est terminé, 1-0. Bon, on a sur le minimum. On a les 3 points. On va être mieux. On a les 3 points. Ouais. Déjà ça. On a plus 19. On va faire attention à Norrköping qui a plus 22. Mais bon, c'est mieux que rien. Plus c'est mieux que rien. Oh, qui c'est qui est stressé, Zdravko? Mais non, t'as fait un bon match. Bon, t'as fait un bon match. Yes!